C'est PunGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est donc je vous avais pas parlé de ceci. Donc j'aime bien la déco, on va dire, sur du Minecraft, sur du Minecraft Pocket Edition également. Et aujourd'hui on va apprendre à build cette petite bibliothèque assez sympa, donc qui peut aller un peu partout dans vos maisons un peu médiévales et un peu modernes, on va dire, vu que si vous changez un peu la texture des blocs ça passera sans souci. Donc, je tiens à vous préciser que j'ai mis l'intro des chaînes communautaires et j'espère qu'ils me plaudront. Donc, je vais envoyer la vidéo aux chaînes communautaires. Et un grand merci s'ils upload ma vidéo, ça fera super plaisir. Donc, c'est parti. Donc, pour le matériel, donc il nous faudra déjà du bois, donc des planches de bois classiques. Donc, pour ceux qui veulent savoir, je suis avec le shader Zeus, donc version 1.10. Version 10.0, donc le light bien évidemment. Hop. Et donc il nous faudra des bibliothèques, une table d'enchantement, par exemple ceci, donc ce qui est du spruce wood, du oak wood. On va avoir besoin également de barrières. On va prendre ceci, donc les oak leaves, donc les feuilles. Qu'est-ce qu'on pourrait, alors ici, hop, c'est moche, on va mettre ça. Voilà. On pourrait avoir besoin de ça, et c'est parti. Donc on va tout de suite reproduire la forme ici sur le côté. Donc on va faire une forme comme ça, donc hop, hop. Vous allez mettre 4 de barrières, enfin des bibliothèques. Et hop, ici 4 également, oui. Donc 4, enfin 3 ici avec 1 au centre et 3 ici. Ensuite ici on va faire une espèce de petit escalier, donc hop, voilà. Et ici pareil, sauf que on va laisser un comme ça, comme ceci. Ici il y en a 2, voilà. Alors on va pour le moment remplir tout ça avec du bois normal pour vous montrer un peu comment ça donne, pour moi que je puisse un peu positionner les choses. Donc là on a la table d'enchant, ça va, c'est super. Ici par contre on a ça. Non, on n'a pas ça. On a ça, voilà, ok. Donc là on a la forme exacte, voilà. On a la forme exacte de la bibliothèque. Il suffit maintenant de, par exemple, on va placer ici, hop, le spruce wood pour diminuer, allez, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. On va placer un bloc de spruce wood ici, sur les côtés de la bibliothèque, pour délimiter, voilà, la bibliothèque. On va placer, hop, deux feuilles de oak sur le spruce wood. Et ici, donc hop, 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 nous allons placer des barrières. Vous pouvez prendre la barrière de votre choix. Donc moi je préfère celle-ci. Vous pouvez prendre par exemple les barrières de ce type, donc du bois un peu plus foncé. Je déconseille l'acacia, vu que c'est l'acacia et le jungle, vu que ça va pas trop avec le design qu'on va faire. Mais voilà, après c'est comme vous voulez. Ensuite, on n'a plus besoin déjà de la table d'enchant et des bibliothèques. Hop, on peut garder ceci. Ça, normalement, oui. Alors, ici, hop, vous allez mettre ici une barrière. Et également une barrière... Je sais pas de bêtises. Non, en fait, c'est bon, voilà. Donc là, on a le beau design ici. Hop, vous allez placer un bloc de bois ici, une bûche. Et après, on aura besoin ici des escaliers en cobble. Hop, voilà, qui va vous permettre de donner un peu du relief à votre structure, non, du relief dans ce sens là bien évidemment. Par exemple, hop, vous voyez ici, ça va donner du relief. Et ici on rajoute une bibliothèque, vous voyez, comme ça ça passe crème, on va dire. Hop, voilà, ici on va te, vous voyez, on fait un peu du relief. Et après ensuite c'est vous qui voyez pour ici, hop, vous allez mettre du bois. Donc pour le moment je remplis avec du bois et on fera le relief juste après. Ici on va délimiter les murs, donc on va faire les murs bien évidemment. Alors déjà, hop, on prend le, comment ça s'appelle, le jukebox, et on va mettre ça à côté ici, vu que c'est l'emplacement prévu. Oui, on va prendre, hop, le CD plus le, alors plus le, voilà, le item frame, on met le CD, voilà. On va prendre le pot de fleurs avec le cactus. Alors on va
on va refaire tout ça. Alors le pot de fleurs il est ici. Voilà. Donc on met le pot de fleurs. Donc déjà, on va placer du bois. Voilà. On va mettre le pot de fleurs avec le cactus. Voilà. Je vais repositionner ça. Voilà. Et ici, à partir du cactus avec le pot de fleurs, on va monter de 5. Donc on va faire un pilier, on va monter de 5. Comme ceci, de chaque côté. Alors, bien évidemment, là-bas, il y a aussi un pot de fleurs avec un cactus. Donc c'est ici. Et hop, ici, on monte de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ici, on va venir positionner du spruce wood. Alors, pas ici, vu qu'ici, il y aura encore un pilier de 5 de stone brick. Comme ceci. Et ici, on place, hop, notre spruce wood. Voilà. Comme ceci. Alors, après, vous pouvez varier. Donc là, vous pouvez, par exemple, mettre du spruce wood. Et de l'autre côté, mettre, par exemple, du bois normal, classique, ou encore du bois un peu plus foncé, donc du dark wood, ça dépend ce que vous voulez. Voilà, on a déjà un beau petit truc. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez même rajouter une bibliothèque là-dessus pour que ça fasse plus pro. On peut même rajouter une barrière. Voilà, donc ça passe mieux. Et ensuite, hop, on va prendre des escaliers en cobble. Et on va venir, hop, par exemple, mettre des escaliers un peu partout, dans ce sens-là. Pour pouvoir donner un effet de relief qui est ma foi plutôt pas mal. Hop, voilà. Vous voyez, ça rend plutôt bien. Et bien évidemment, on continue le sol ici. Jusqu'ici. Voilà. Voilà, voilà. Après, on fera le relief comme je vous l'ai dit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Donc, il nous faut, ouais, bien sûr, le relief. Donc, on va le faire maintenant. Hop. Vous pouvez mettre un peu des blocs un peu dans tous les sens. Ça c'est comme vous voulez après pour le relief, c'est vous qui voyez. Mais hop, je vous conseille de faire ce style de relief. Vous pouvez même mettre des escaliers en bois, que ça passe mieux. Hop, par exemple, non, ici on va mettre ça là. L'escalier en bois par exemple, on va le mettre là. Vous voyez, vous pouvez changer un peu de design. Hop, ça on va mettre. On va mettre ça ici, vous voyez, ça passe. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc on va faire plutôt la décoration. Du coup, la décoration, c'est pas grand chose, c'est juste mettre hop ici des pancartes sur le spruce wood, sinon ça fait assez vide. Et encore une fois, les item frames avec des livres, hop, item frame, voilà. Et alors, soit vous placez un item frame ici et ici. Soit vous pouvez en placer sur des bibliothèques. Donc moi je le place ici, c'est assez beau. Donc je tiens à préciser que c'est moi qui ai inventé cette bibliothèque. Je n'ai pas du tout plagié un youtubeur ou quoi que ce soit. Hop, ici je vais faire. Enfin, je vais rassembler tout ça, sinon ça fait très très moche. Hop. Comme ceci, voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à. Il nous manque les torches. Les deux petites torches à positionner soit ici et ici. Ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez même en placer une en dessous ici par exemple. Ça c'est comme vous voulez, c'est comme vous le désirez. Une ici. Et ensuite, je vais juste faire un time 7000. Time 7. Avec le shader, si je fais 0, c'est on voit complètement tout noir. Voilà, donc là le soleil est dirigé de ce côté là. Mais je pense qu'on a fini, alors il manque plus que le pot de fleurs. Ah, qui est ici. Ok. Un pot de fleurs avec, bien sûr, hop, un cactus. Voilà. Alors, hop, c'est pas la bonne touche. Et normalement, on a fini. Je regarde un peu. Oui, c'est parfait, on a fini. Donc voilà, donc vous avez votre belle petite bibliothèque. Donc si jamais vous voulez une bibliothèque faite moderne, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Encore une fois, merci aux chaînes communautaires si vous upload ma vidéo, vu que c'est la première fois que je vais poster une vidéo de ce style sur une chaîne communautaire. Et moi je dis à la prochaine, c'était iPodGamer172. Allez, bye tout le monde.